La fille de Sylvie Vartan, Darina, est une grande adepte des médias sociaux. Elle y publie régulièrement les faits marquants de sa vie familiale, privée et sentimentale. Hélène, et par arc, elle échange avec ses abonnés sur différentes thématiques. Il y a peu, ils lui ont posé des questions liées à sa vie amoureuse. Est-elle en couple ? Découvrez la réponse. Est-elle en couple ? Le dimanche 18 juillet 2021, Darina a eu une séance de questions-réponses avec ses 32 000 abonnés sur Instagram. Ces derniers lui ont posé des questions sur plusieurs thématiques, dont une en particulier, sa vie sentimentale. Quand il lui a demandé si elle a un petit ami, elle a été assez claire. « Je n'en ai pas, je n'en veux pas pour le moment et je n'ai pas besoin. » Capture d'écran Instagram Darina. Plus d'aider à la question des un autre internaute de savoir si elle est en couple, elle a répondu par la négative ajoutant « Pas le temps pour une relation en ce moment. » Capture d'écran Instagram Darina. Plus d'aider son coup de gueule dans la story de son compte Instagram, la fille de Sylvie Vartan a poussé un véritable coup de gueule contre elle, apologie de elle, amour toxique. Elle est très remonte contre une citation en particulier. Vous n'aimez pas vraiment quelqu'un jusqu'à ce qu'il vous ait blessé et vous le considérez toujours comme la plus importante personne au monde. C'est ok, elle pense des, après elle, le message véhiculé par cette citation est complètement faux. Afin d'expliquer son raisonnement, elle a publié un texte explicatif dans lequel elle dit « Vous savez que vous les aimez vraiment si vous les aimez toujours après qu'ils vous aient blessé. » L'amour n'égale pas les mettre sur un piédestal. Pour elle, on aime une personne lorsque elle, on partage un lien special avec elle et que la personne souhaite votre bonheur avec ou sans elle. Darina Scotti Vartan se rappelle de son enfance difficile David Hallyday et pas le seul enfant de Sylvie Vartan. En effet, cette dernière adopte une fille nommée Darina Scotti Vartan. La jeune femme est très ouverte et active dans les médias. Accorde un entretien à Gala, dans lequel elle revient sur elle, enfance difficile qu'elle a eue avec ses parents. Sur ses confidences. Abonnez-vous à Mo Mama sur Google News.